YouTube, ici Karen Gull et bienvenue sur la troisième partie de Soma. Donc la dernière fois je me suis, comment dire, perdue plus ou moins puisque je savais pas comment faire pour continuer, on va dire, la progression. Et au final j'ai plus ou moins triché. Parce que oui, enfin triché dans le sens que je me suis un petit peu aidée en regardant sur YouTube. Les réponses pour continuer, et en fait c'était juste là, vous voyez, 0722. Donc ça c'était le premier truc que je trouvais, donc 0722 et la deuxième 0722 et 0735. Donc voilà en fait tout simplement ce que j'avais à faire. Et puis en même temps j'ai arrêté un petit peu de jouer à Soma parce que j'ai eu quelques petits bugs sur mon jeu, et en même temps j'ai flippé ma race en faisant certaines choses dans le jeu qui n'étaient pas forcément nécessaires, parce qu'en fait en même temps moi je suis, on va dire, je suis sur les vidéos de Markiplier et je me rends compte qu'en fait il y a des choses complètement différentes du... selon la progression tout simplement. Et par exemple moi j'ai fait des choses sur ma partie que lui n'a pas fait. Donc rien que là on a une progression tout à fait différente selon ce qu'on fait ou non. Donc, voilà, du coup là j'ai trouvé les deux codes. Faire attention à la gestion de l'alimentation, puisque bon, moi, quand j'ai eu mon bug, j'ai ouvert la trappe là en dessous sans faire exprès. Et disons que la bestiole est venue quoi. Et ça, normalement, enfin, il n'y a pas forcément besoin. Et voilà. Donc je vais essayer d'éviter de ramener cette bestiole puisque. Non, je flippe ma race et j'ai pas forcément envie de flipper ma race, quoi. Donc, alors. Automatisation d'Epsilon. On a réussi à relier la plupart des turbos de secours et à activer tous les générateurs. Epsilon devrait être en mesure de produire de l'énergie pendant moins de 10 ans. L'état des machines qui sont empirées, là, là, ouais, bref. Et là... comme il y a peu de chances qu'on revienne à Epsilon, vous pourriez essayer de condamner certains secteurs pour empêcher les assistants d'accéder aux zones sensibles. Oh. Alors, retour. Gestionnaire d'alimentation. Il faut que je me rappelle... la chambre thermique, c'est en dessous, donc ça j'y touche pas parce que j'y avais touché. La chambre thermique, ça c'est sûr, c'est clair et net, je n'y touche pas. Parce que la chambre thermique c'est en dessous et j'ai pas envie que la bestiole se ramène. Donc régulation de débit. Oui. Stockage. Oui. Permet des secteurs en surbrillance. Je vais faire super attention parce que franchement. Oh. J'ai pas envie d'avoir la bestiole qui se ramène. Cette boîte noire est un instrument de précision destiné à observer votre état général. Elle mesure un large éventail de données, de votre température corporelle à votre activité cérébrale. Wow, wow, wow. D'accord. C'est vachement gros. Mettre ça dans le cerveau, bah, plus de place après. Ah, ça m'intéresse pas. Donc... maintenant, j'ai ouvert une nouvelle zone. Et c'est certainement pas celle du dessous. Je vais éviter de faire des conneries parce que sinon je vais mourir de peur, littéralement, tout simplement. Parce que je suis très craintive des bestioles en tout genre. Et non, c'est... non, non, voilà, j'ai pas envie. Un truc à... un truc.
Le truc où je fous ma main dedans. Bah allez, piste. Ah non, juste le doigt pour l'instant. Ah, ah d'accord. J'ai peur là d'un coup. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Ça l'a fait venir. Je peux pas l'éviter, c'est ça. Oh, il est là. Oh, il est là, l'enculé. Me remettre mentalement deux secondes parce que là en fait je me sens super mal. J'ai beau jouer deux jours maintenant, j'ai la pétoche, j'ai vraiment la pétoche et je sais toujours pas au final si ça m'a servi de foutre le doigt là où je pense, pas dans le bloc bizarre là. Ah fuck. Ah fuck. Ah putain, j'aimerais tellement avoir un bazooka à lui exploser la tronche à ce truc. Ah putain, j'en perds mes mots, j'en perds mon latéral. Non, j'ai pas l'impression que c'est fait quelque chose. Je crois que j'aurais dû appuyer, enfin, tirer le levier. Mais ouais. Ouais, non, je réfléchis là d'un coup. Je réfléchis, ouais. Oh putain. Mais est-ce qu'il va? Non, il n'y va pas jusqu'au bout. Oh putain. Oh putain, on dirait qu'il se fend la gueule. Coucou. Tu veux voir ma bite? Oh, nom de Dieu. I like trains. Qu'est-ce qui s'est passé? Da fuck, qui s'est passé? Waouh! Je sais pas du tout ce qui m'est arrivé. Mais je crois bien que je suis mourante. Enfin, que mon personnage est mourant. La vache. En tout cas, ce qui est certain.
putain, c'est que là, j'ai pas vraiment le choix. J'ai fait la couillonne. Bestiole passe, je me barre en courant et Inch'Allah. Parce que là, je pense pas être, on va dire, très en forme là. Enfin, je vois rouge. Hein. Donc à l'aller encore, ce truc, je ne vois pas, mais au retour, il me. Me voilà, il me fait des choses pas très catholiques. Espérons que je puisse passer plus vite que ça. Oh fuck. D'accord, d'accord. Parce que là maintenant, là je sais que normalement il devrait pas venir, mais là maintenant je dois aller au panneau de contrôle et réactiver le centre de communication un moment sur le PC, puis ensuite foncer comme une fusée. Et prier pour que ça se passe bien. Si ça marche. Parce que je suis pas convaincue non plus. Je pense qu'en fait, les youtubeurs, quand ils font les jeux, ils passent sous silence certains. Certains, on va dire. Moments désagréables. Je vois rien, là je suis en train de baisser la tête de mon personnage, mais putain, comme une tête, je baisse la mienne. Putain. Ouais, je sais, cette zone est trop lente, mais je suis frileuse en fait. J'ai pas envie de foncer trop vite. Dépêche-toi, putain! Excusez-moi, je suis violente, mais. Oh, j'ai tellement horreur de ces bestioles! Oh, excusez-moi, là, deux secondes, je remets mon petit cœur là en place, là. Il est en train de palpiter trop bruyamment et trop violemment, là. Allez, je vais mettre un petit doigt là où je pense. Allez. Sauvegarde ma progression. Oh oui! Oh coquinou. Voilà, faut que je relâche la pression comme je peux là. Je vous dis pas dans l'état dans lequel où je suis actuellement. Ouh. Entrée manuelle requise, alors. Psylon, c'est là où je suis normalement. Donc oui, c'est quand même le... Bah, je suis déjà là-dedans, donc Theta. Ok. Ah.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Allô? Non, c'est pas là. C'était bizarre. Donc, lambda de 2-0-3. Oh, fuck, j'ai dit non. Oh, mais... C'est... 2-2-3. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Hey, are you there? Ah, c'est là. I found the dome ceiling. Oh, that's better. Ah. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Je veux tout savoir. Where to even begin? Non, mais... What is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? What? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. C'est à moi qu'elle dit ça. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Cyrus, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. Ah, mais t'es mal, t'es maligne, toi, franchement. What? Mon dieu, je sais pas nager, putain. Oh non. Mais non. Pourquoi vous me malmenez dans ce jeu? Je suis pas douée. Les jeux d'horreur, c'est pas mon kiff. Enfin, surtout ceux-là, qui font très peur. Enfin, qui me font très peur. Réveille-toi. Oh, seigneur. Allô? Y'a quelqu'un? Je suis noyée! Ouais, je suis en train de me noyer. Ah, merci. C'était juste très long à arriver, c'est ça? Ouais, je vois ça. Putain! What? What the hell? How is this possible? Mais écoute. Wow! Oh merde! This is insane! Ah ouais! Bah mon pote, je pense qu'en fait... Ouais? Toi aussi t'es une bestiole pas très nette? Oh merde! Waouh! Bah au final, bah écoutez, c'est pas plus mal de respirer plus ou moins sous l'eau. Ah moi ça me va hein! Si je prenais aussi la bonne touche, ce serait pas mal. Putain! Les gens, je pèse un quintal, quoi. Je suis énorme, je suis en métal. Eh ben mon poulet, en quoi tu t'es embarqué? Ne crois plus jamais un japonais qui veut te faire des choses bizarres à ton cerveau. Alors... Maintenant, la question c'est où aller? Lambda, find the shuttle to Lambda. Bah ouais, faut trouver une navette. Donc là-bas c'est. Zeppelin Transport. Donc ouais. Mais j'ai observé un petit peu dans le coin là parce que normalement il devrait pas y avoir de bébête étrange. Pas dans la flotte quoi. Tu veux pas t'open? Tant pis, bon bah tu veux pas t'open. N'empêche là, je vois pas le plafond, enfin je vois pas le plafond, je vois pas la surface. On doit être sacrément profond dans la flotte. Enfin, je veux dire vraiment pour ne pas voir là où on est, quoi.
Je fais gaffe au bruit. Je fais très gaffe au bruit parce que ça me flippe. En même temps, qu'est-ce qui me fait pas flipper, moi? Je sais pas. Les clones, ça me fait pas flipper. Non, je vois pas. Là, comme ça, directement, là, je vois pas. Allez. Donc. On va continuer la route, tout simplement, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas plus, hein. J'aimerais bien avoir un peu de lumière. C'était quoi ça? D'accord. Donc au moins il y a une reconnaissance là. Je perds mes mots en même temps là, que. En fait, je regarde, j'ai la bouche grande ouverte et je me dis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non là non. Je suis en mode. What the fuck, comme qui dirait l'autre. Voilà, là je suis ici, ouais, ça encore, ça peut se comprendre. Ah, ça s'enregistre. Ou c'est un chargement, je sais pas. Je sais pas. Putain, je peux courir sous l'eau et tout, wesh. Alors, what the, where the fuck am I? Est-ce que je suis bon? Come in, Zeta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, Amy. You got the power automated, right? The plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. Fuck Strasky. Calm down, Amy. It'll be okay. Can you get back to Zeta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the aux. Good luck, Amy. Ouais, bah, c'est parti en couille depuis un bon moment, on dirait. Peut-être que ce sont mes mad machines qui font qu'en fait je peux dire ce qui s'est passé avant. En fait, peut-être que je pirate le système à chaque fois. Je sais pas. Je suis vraiment curieuse. De toute façon, voilà, je peux que continuer ma route. Même les poissons, ils sont chelous. Oh merde. Je crois que ça m'échappe. J'ai l'impression que c'est méchant ce truc. Enfin, c'est méchant, on dirait bien, parce que. Il déraisonne totalement, il a les yeux rouges. Pour moi, le rouge, quand je vois des trucs en rouge, je me dis c'est méchant. Ouais, je sais, c'est un point de vue très manichéen, mais. Pour moi, bleu c'est gentil, rouge c'est méchant. Je suis en mode accroupi. Là, je me barre loin. Oublie-moi, mec. Tu m'as pas vu. Voilà. J'y vais doucement. J'y vais accroupi. Déjà, il va pas jusque-là. C'est pas mal pour moi. C'était pas la bonne zone. Non, je me suis trompée. Génial. Génial, génial. J'ai plus qu'à faire demi-tour et repasser devant ce... Non, ce truc bizarre là. Mon dieu. Donc ouais. Allez. On va refaire demi-tour, wesh. Il n'y a plus que ça à faire. En me cachant du mieux que je peux. Si j'arrive à me cacher. Mais l'autre, en tout cas, faut que je passe derrière lui. Enfin, je peux faire ça.
si je parle pas, c'est tout à fait normal. C'est que je suis en mode réflexion intense. C'est normal, ça m'arrive par contre. Oh mon dieu, je suis nerveuse. Voilà, c'est bon. Ah, oh. Putain, me fais pas peur comme ça. La délicatesse, tu connais? Non? M'en doutais bien. Alors, où est-ce que je suis? Epsilon. Ça a l'air d'être là, la navette. Oh! Oh, pêcheur! Libéré! Délivré! Oh, coucou! Oh, t'es mignon, toi! Je t'aime bien déjà! T'es jolie! Tu me fais penser au robot débile dans Iron Man! Enfin, dans la mentalité! Alors, Epsilon, ouais, c'est ça déjà! Bonjour! Est-ce que tu veux bien me mener là où je dois aller, s'il te plaît? Tu serais un amour. Tu veux juste m'éclairer la route, c'est ça? Ah, bon, c'est pas grave. Je continue ma route, moi. Alors, ok. Tu me suis? C'est swag. Je trouve une star, tu me suis. Ah oui. Alors. Alors je sais pas où il faut aller parce que là je vois l'écran qui tremble. Peut-être là. Je vais vérifier. D'accord, en fait c'est juste le panneau qui... Ok, ok. Oui, tu m'as parlé. Ah. Alors, ouais, ben je regardais par là. Oh merde! Il y a un 2B. Il y en a un, il a décidé de se cogner contre les murs parce qu'il est con. Ok, ok. Ouais. Bah écoute, ouais. Je crois que c'est sur ce carrefour que je vais faire une petite pause. Parce que là, ça va commencer à faire long. Donc, je vais arrêter ma vidéo, ma troisième vidéo de Soma ici. J'espère que ça vous aura plu. Même si je suis un petit peu longue à bouger. Et... j'essaierai de faire mon mieux la prochaine fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!